위해 우리는 증가하고 있는 것에 mais nous constatons qu'il y a un drôle de moule dans le pays. D'ailleurs, Amin Jagdak est venu avec le Bouge Barcine. Hier même, il y a une activité, une fonction à Bel Air. Il demande un mandat de 5 ans à venir à une Bouge Barcine. Mais en même temps, l'ambiance élection, encore vive. L'ambiance élection, pas encore là. Parce qu'il dit qu'on ne pas connaît partiel, pas partiel. Mais pour moi, il est très probable qu'il y ait élection générale pour ENA avant le 22 décembre, c'est-à-dire le 22 décembre, date à laquelle parlement Stens dissolve sous la Constitution, s'il n'y a pas une dissoute avant. Donc, à travers sa conférence de presse, nous invite non seulement tout le militant et pas le militant du MMM, mais nous invite tout le Mauricien et pas le Mauricien qui souhaite un nouveau l'île Maurice, invite tout à sa meeting du 1er mai là, à la rue Édouard 7 aussi. Tout le Mauricien et pas le Mauricien qui souhaite un nouveau l'île Maurice. Un l'île Maurice différent de ce qui nous paye fin été sous la ville Ramoulam de 2005 à 2014, mais aussi un l'île Maurice différent de ce qui nous paye fin été depuis la dernière élection générale, c'est-à-dire depuis 2015. Dans sa campagne-là, c'est pour ça, c'est ça le message central, un nouveau l'île Maurice. Tourne une page pour l'île Maurice de Navin Ramoulam et de Van Jagnat. Un île Maurice propre, un île Maurice démocratique, un île Maurice uni, et un île Maurice juste. Nous avons un orateur dans le meeting pour les suivants. Le président du parti, Reza Yutimbu, préside le meeting. Nous prenons comme orateur le leader du parti, moi-même, et les quatre leaders adjoints. Ajay Ganesh, Ariane Navarmari, Devan Naganikov, Adela Miamia, le secrétaire général, Rajesh Bhagwan, le vice-président, Franco Kirin, le trésorier, Veda, Sheila Banuari, qui est à la tête de nos Policy Council, qui anime nos Policy Council, et la présidente de Nouvelle Féminine, Jenny Adebiro, et le président de Nouvelle Jeune, Drish Baboulal. À la veille d'une élection générale, nous avons donc la liste orateur en poste, et nous fierons l'équipe de nous inviter, tout le Mauricien à Mauricien, d'être présent donc le 1er mai, même si le mood électoral n'est pas encore vraiment déclenché, même si il y a un drôle de mood dans le pays. Une deuxième remarque, c'est qu'il faut constater qu'il arrive le 1er mai, la veille élection générale, et qu'il y a le trafic de drogue. Et bien, magouille à la bichon de Mangou, pire qu'ils arrivent. Quand nous guettons scandale, magouille,
vais continuer à augmenter. Une sale boule, je vous demande. Mais c'est un tarmac pareil, un tas scandale pareil. C'est ça le plan, la façon de fonctionner de MSM. Mais trafic de drogue aussi. Ravi Jagnat sait faire passer le message, qu'il n'y fait pas papier, etc. Le fait est que le trafic de drogue, et pour eux, combien paierait ici saisi, mais le trafic de drogue, pire qu'ils avaient. À l'île Maurice même, et dans la région, pire qu'ils avaient. Dans la région, il a donné l'exemple dans lequel vous pouvez tendre moi un petit peu. Dernier exemple, c'est 250 kilos. Valeur, la drogue, valeur plus que 4 milliards. Tu pourras t'y planifier pour aller Maurice en passant par l'Afrique australe et par Madagascar pour venir finir ici à Maurice. Et mardi dernier, non, pardon, on a vu l'eau là. On a vu une diable qui est même une dièse. Qui ça, la drogue là, tu peux venir Maurice. Quand tu peux répondre à une question de Reza, du team, l'eau, la drogue, précisément. Donc, elle a fait 4 milliards, oui. 250 kilos. Et là aussi, bien foiré, all the way. Vendredi le 19, une opération foirée au large de Albion. Faire un landing, l'Orient Mauricien et un étranger, un français, pas tout l'anien, foiré. À vendredi, et naturellement, un trafic, on a fini, connu. Mais, le lundi suivant, lundi le 22, véritable Far West, dans l'est de Madagascar, à l'île Sainte-Marie, la ville de Mahambo et de Tamatave, le véritable Far West, des véhicules avec tout ça là, donc là, un Audi et un Range Rover, prend livraison là, poursuivi. Mais le Far West, poursuivi, ben là, dans l'équipement, on le dégage, belle. Pour une douane, il m'a un seul véhicule pour bouder des véhicules de trafiquants. Inutile de dire, sauve à droite, sauve à gauche. Bottom line, personne ne peut l'arrêter. Plus qu'ils disent trafiquants, étrangers aussi, là, pas bien, malgache et étrangers, sud-africains, plus qu'ils disent trafiquants dans ces véhicules-là, arrestation zéro. Tu as des valises, il gagne une valise avec 46 kilos, à peu près 700 millions de valeur. Mais, je ne sais pas combien des autres valises, plus qu'il descend kilos, il disparaît dans la nature. Personne ne peut l'arrêter, tout le monde dans la nature. Et tout ça, la drogue là, dans la nature, il ne peut pas être étonné qu'il y finisse par tout ceci, mais parce que mon Dieu connaît. Pas qui s'y met, mais il finit dans Maurice. Plaisir. Donc, plus qu'il 3 milliards valait à la drogue dans la nature. À Madagascar, ou il finit à Maurice, ou bien dans la région. Au Parlement, moi, dis-moi, j'écoute Pravin Jagnat. Il vend la peau de l'ours. Il est trop bonheur. Il finit. Tam, 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 tam. Qu'a crié victoire, foirade général. Malheureusement. Mais il y a des affaires qui me touchent choquant aussi. Suite à la question de Reza, sa première ministre, il faut le faire nous voir, qui amène l'année de santé.
chrétiens contre les trafiquants, contre le trafic de drogue. À un moment donné, il dit à Reza, tu demandes, mais combien de fois la police, il servit Dangerous Drugs App pour écouter le téléphone trafiquant. Les gens disent, mais qu'on écoutait. Mais Reza, tu demandes pour écouter le téléphone trafiquant et pour freeze compte bancaire trafiquant. Son réponse. Un monde qui veut faire ou quoi, qui peut combattre sans pitié, sur réponse aux cités. Question B, 2, 4, 1 de Reza, mardi dernier. However, since the coming into force of the Dangerous Drugs Act, the police has not resorted to any telephone tapping or placed any bank account under surveillance. Éloquent. Mais choquant. Et comme on tout connaît, organisation, organise, trafic, la drogue à partir de la prison peut continuer plein. Donc, il est choquant qu'il avait eu le 1er mai. Situation peut détériorer en ce qui concerne une magouille, un scandale, n'importe. Et en ce qui concerne le trafic, la drogue de l'eau. Troisième point, on tenira dénonce de mishandling, l'incompétence de mishandling par le gouvernement, et en particulier par Sinatambou, de tout ça dans l'épisode inondation, compensation, aide à la victime inondation, un mishandling général. Mais il y a quelque chose qui est inacceptable. Mais pour la police, là, ce n'est pas son travail, ça. Déjà, la police, elle a beaucoup de travail pour y faire. Ça peut être déjà faire une enquête, à le guetter, si je ne sais pas, l'oreiller, une trempée, une touille. Enfin, sécurité sociale, c'est inattendu, c'est là, une catastrophe ambulante. Comme maître, catastrophe. Sur l'attitude, sur l'arrogance, mais c'est comme tout. Côté de Métli, pas juste sous Pavin Diagna, dans la Nouveau Diagna, mais sous Mamboula Moshi qui paraît Côte Métli, un récipient faux catastrophe. Et finalement, nous tous ce qui nous dit, c'est la fiscale de la crimosène. Britanniques, enfants. C'est un temps, mais on le met seulement les deux de position. L'y faner, l'y provoquer, et un quelque chose qui bien ajoute à tout ça problème. C'est la façon qu'il dit, vous n'avez pas le moment, moi j'ai dit, il n'est pas sur ta. Il n'excite, dis-vous. Il y a tant de gens qui tant parmi les pays. Vous voulez dire, vous ne parlez pas ici. Sur statement, on ne parle pas, mais naturellement, comment les finifier sur statement? La résultat, c'est qu'aujourd'hui, là, on nous connaît tension dans le oui. Sur l'arrogance, sur le ton qu'il a adopté, dernier du monde pour mettre en sorte sa qualité, dossier là, sa qualité, problème. Et donc, nous tenions, nous, à dénoncer le mishandling de tout ça question. Il nous dit une fois pour toutes, sécurité sociale, il prend ses responsabilités et arrête, vous tous avez à l'eau, les deux, la police. Quatrième point, FMI. Alors, tous les ans, FMI, il envoie une équipe, dans tout pays du monde, hein, mais y compris à Maurice, il envoie un staff mission. Venir, enquêter, etc. Et là, le staff mission tire un communiqué de presse. Les dernières fois, là, c'était le 30 janvier que le staff mission tire fini, il tire un communiqué de presse. Ensuite, le staff mission fait son rapport à IMF Executive Board. Il paraît pour tout pays et tous les ans. Elle est là, IMF Executive Board, lui examine le staff mission report et à son tour, il tient un communiqué de presse. Là, il fait tirer là le 23 avril.
Mais traditionnellement, tous les ans, l'année dernière, l'année d'avant, tous les ans, quand il finit faire ça, l'ELA, IMF, release le IMF Executive Board document lui-même, report itself. Pas si c'est une presse, un rapport. Tous les ans, il fait ça. Cette fois-là, il n'a pas le faire. Cette fois-là, il tire une presse communiquée, comme on fait des autres le 23 avril. Mais IMF, pas encore, ni IMF ni gouvernement, il n'est pas encore release le report itself. Pas une presse, mais the staff report itself. Nous demandons IMF et le gouvernement Maurice release sa staff report là, et pas seulement le press report. Parce que quand on est fatigué de dire ça, le langage de IMF, ils ont dit entre les lignes, très diplomatique. Mais là, le IMF Executive Board, il sonne, il tire les sonnettes d'alarme en général, mais surtout en ce qui concerne la dette publique et le balance of payment, surtout le current account déficit. Est-ce qu'il paye votre cassette? Est-ce qu'il fait le langage, les détails de sa staff report là? Mais nous, on doit connaître et nous demande release. Et ce qui est comique là, dans France, là, à ce stade nazis, and press report mondial. Mais par contre, le ridicule qu'on nous connaît par les diagnostics, n'importe qui a fait ce qu'il peut d'abord. Dans ce tam-tam, même si c'est un tam complètement défoncé, là, ridicule, ce qu'il a fait hier au Conseil des ministres. Dans le cabinet communiqué, et une section issue de IMF. Mais c'est d'un ridicule. Moi, si j'ai pu lire le press report, si on lit le press report, quand nous lirons entre les lignes, mon père dit il est bien mauvais, surtout pour l'avenir, il tire la sonnette d'alarme, surtout concernant la dette publique et le balance of payment. Et il demande au gouvernement un langage quand il rentre les lignes, un langage bien tracassé, tire la sonnette d'alarme. Mais par rapport au cabinet, si le ridicule tué, le cabinet, paragraphe 7 du cabinet communiqué d'hier, le cabinet a taken note that the IMF Executive Board concluded the 2019 Article 4 consultation with Mauritius at its meeting held on 22 avril 2019. C'est un qui a une presse communiquée sorti après. The IMF Executive Board of Directors congratulated the Prime Minister. IMF, son manière de travailler, il fait ce staff report, il tient une presse communiquée, il dit l'économie, mais il n'y a pas de ridicule comme ça. Ça va, franchement, c'est au-delà du ridicule. Je ne peux pas réaliser les quantités de 30 zones ridicules. IMF Executive Board of Directors congratulated the Prime Minister for the solid microeconomic performance and also for his continued effort to address structural bottlenecks. Quand vous lisez presque communiqué, naturellement, IMF vous vient féliciter le Prime Minister. Un ridicule total. Mais en tout cas, moi, me demande rendre public sa staff du board là, in toto, comment fait faire jusqu'à maintenant. Cinquième point, avec tristesse, vous revenez lors de l'affaire Michel de Ravel, le jugement qui finit. Il finit une indignation profonde dans la population.
après qu'il a dit mon neuf, il me trouvait coupable sur 21 chefs d'accusation. L'attentat, la pudeur, le man. J'ai un petit fille. 8. J'ai un petit fils à l'époque-là. Il y a des années de cela, mais c'est jusqu'à 2006. Une indignation profonde. Et c'est pourquoi, évidemment, nous aussi, après que Jenny, en tant que Jenny Adebiro, en tant que président de l'UDF féminine, qui n'exprime ni publiquement, mais nous aussi, le MMM, nous exprime une solidarité totale avec bonne victime. Et dit bon, qui le DPP finance très vite, qui le DPP fait appel et agit très vite. Dernier point, on t'a présenté l'océan. Terminons. Comme je le connais, Sri Lanka est un pays pluriethnique, plus que 70% de la population ban bouddhiste. Et ensuite, il y a une minorité de plus que plus, dans le cas de ban tamoul, légèrement plus que 10% de la population, dans le cas de ban musulman et de ban chrétien, légèrement moins que 10% de la population. Donc, une population bien mélangée. Là, ce qui fait arriver clairement un acte terroriste, condamné par tout du monde, mais y compris par la communauté musulmane du Sri Lanka. Sans hésitation, ban religieux, la communauté musulmane du Sri Lanka, il condamne ça l'acte terroriste. Mais ce qui me demande la population de réaliser, il n'a pas de leçon à retirer dans sa épisode Sri Lanka. Ce qui nous vient de réaliser, c'est qu'il y a un dirigeant politique du Sri Lanka porte une très lourde responsabilité dans ce qui n'est arrivé quand nous n'arrivons là. Et il y a des leçons à retirer pour n'importe quel pays au monde, y compris pour nous-mêmes. Nous aussi, dans un pays différent, communautés, différentes religions. Il n'y a pas de leçon à retirer. Et m'aurait dit à l'autre, à commencer par le président et le premier ministre du Sri Lanka, tout un dirigeant politique du Sri Lanka porte une très lourde responsabilité dans ce qui n'a pas. Parce que vous pouvez suivre ça depuis octobre 2018. De octobre 2018 à décembre 2018. Puis il y a la guerre ouverte au Sri Lanka, entre le président de la République et le Premier ministre, tous les deux élus au suffrage universel, d'après la constitution du Sri Lanka. De tenir ensemble, de tenir la guerre ouverte de octobre à décembre. En octobre, le président de la République remplace le Premier ministre. La Cour suprême dit non. Vers un niveau constitution. Après, le président dissout le Parlement, la Cour suprême. Heureusement pour Sri Lanka, que la Cour suprême, il refuse de céder. Quand le président dissout le Parlement, là aussi, la Cour suprême dit non. D'après la constitution, telle que je me suis demandé, quelle est l'année, c'est là, pas capable de dissoudre. Heureusement, la Cour suprême, non. De Sri Lanka, il joue ce rôle pleinement pendant toute sa période-là. Si à tous les pays envier là, l'état en décembre, la Cour suprême indienne, pas capable de jouer le ball, d'après ce que la Constitution dit. Avec résultat, c'est qu'il fait depuis janvier. Le gouvernement n'est plus fonctionnel. Président pas causé le premier ministre pas causé le président, président appelle une réunion de sécurité council, pas invite le premier ministre. Un gouvernement non fonctionnel qui ne peut pas fonctionner. Il ne joue la sécurité de ce pays-là. Il joue les guerres de ce pays-là. Avec résultat, c'est qui service de renseignement international américain et indien encore plus.
Tu donnes mon rapport, qui ça l'attente à la paix préparée. Mais dans sa cafouillade là, et là, tout chef la police inhalée, l'autre chef inhalé, le président et premier ministre. Si à tout président, pour des responsabilités écrasantes, pas ici à qui l'information, pas une assez de responsabilité, et bien, signalement d'information envoyé par l'Inde et par les États-Unis, ignoré à la résultat. Et comme tu étais là, hein, le mandat du président prend fin le 9 janvier 2020. Mais c'est non, il est capable de faire élection avant, il est capable de dissoudre avant, élection, bisaina avant le 9 décembre 2019, ça l'a fait. Moi, l'expérience, il y a moi, depuis des années, moi, je suis la situation au Sri Lanka, parce qu'avant la guerre, avant que je connaissais, pendant des années, j'ai donné la guerre civile terrible qui oppose la minorité tamoule au gouvernement d'alors. Terrible. Mais aujourd'hui, c'est les guerres gros qui me disent la situation extrêmement dangereuse à Sri Lanka et le risque de la guerre civile bien réelle. Comme on priait pour Sri Lanka, mais en même temps que nous, les médias, et dans une leçon à retirer de ce qui n'arrivait, et vis à mesure la responsabilité de ma dirigeant politique du Sri Lanka dans sa cala. Nous, on est capable d'arriver dans n'importe quel pays. Dramatique. Merci. Est-ce que nous revenons le Maurice, si nous sommes capables de retourner le 1er mai? Si nous oublions le bataille, le trésor. Donc le président, pas le président. Oui? Alors le 1er mai? La guerre est foule. Comment vous dire, pour l'expérience, franchement, bon, jamais il y a un premier ministre, franchement. Drôle mood dans le pays. Mais, vous donnez un tel exemple. Première fois, Rajesh, moi-même, nous sommes dans le terrain. Première fois, moi, dans la vie, la fille, soit drôle. Première fois, toujours, il y a un petit raille. Première fois, il y a un drôle de mood dans le pays. Mood électoral là, pas encore là. Mais par contre, personne, François, n'est plus quoi qui pourrait une élection partielle. À tel point que, comme on vous dit, hier, à Bel-Air, pas vite d'être, même pas de faire référence à une élection partielle. Donc, un drôle de goût, l'arrêté qui est arrivé le 1er mai, mais vrai dégoût, ça pas encore là. À quoi on doit attribuer cela? De confiance à... Manière élection 2014 inhalé, trahison all the way de sa gouvernement là depuis 2014, tout ensemble. Après, façon qui jusqu'à récemment là, pas vite d'un tu peux dire pour une élection partielle, qui tu veux dire qu'une élection faut venir l'année prochaine. Nous avons une croix là-dedans, mais l'élite nous fait croire qu'il faut une élection partielle, donc inévitablement élection générale pour bien plus tard l'année prochaine. Donc il y a une confusion, un amas de retombées de l'élection, dernière élection générale, mais surtout la trahison all the way de sa gouvernement là, depuis janvier 2015. Il y a une tas de réunions qui fait un drôle. Il y a un drôle de monde dans le pays. C'est un... Quand nous invite, tout le monde militant, mais aussi tout le monde mauricien, qui voulait une nouvelle île Maurice, et qui voulait taper le message à l'occasion de ça, le 1er mai. C'est un désintéressement ben, électeur de la population, de la chose politique. Pas désintéressement, le mot. Confusion, désorientation,
désintéressement, non pas. Mais désorientation, confusion. Oui. Des choses pas encore éclaircies. Et d'après moi, des choses pas pour vraiment éclaircies jusqu'à Nomination Day. Mais qu'est-ce que tu faisais pour justement. Mais tu joues pas allemand à l'élection. Évidemment. Sous le Parlement dans l'élection. Il va peut-être un désintéressement, pas un désintéressement politique ou désintéressement pour une manifestation politique. Si vous reverrez la case, non, qu'est-ce qu'il y a à ce là, franchement. Jamais nous ne pouvons pas dans le passé. Et là, n'est pas que tu es dans les suites. Tu es dans les suites. À ce là, ma famille, ou Internet, tout Facebook, tout qualité qui te. Qu'est-ce que même. Maintenant, MMM TV, qui fait un travail formidable. Il m'a remercié, je ne sais pas beaucoup ça. Travail formidable. Ah ben, vous gagnez, on dirait. Du commencement à la fin d'une conférence de presse ou d'un meeting. Et bien, inévitablement, il y a un impact. En plus de ça, il y a une activité. De plus en plus d'activité. Ça, qu'il y a une assurance. Ce travail, sur mon activité. Et donc, mon pas, là aussi, je ne pas dire désintéressement pour mon activité politique. Mais les choses finissent sans eux et vous continuez sans eux. Mais justement, donc, parce que la guerre des foules, est-ce qu'il n'y a pas de vidéos? Pas une cause, ça va dire aucune cause. Mais est-ce qu'il n'y a pas oublié de la guerre des views comme si? Des views? C'est-à-dire qu'il y en a une qui dit beaucoup live, disons, MMM TV ou bien MSN. Ça aussi? Ça aussi? Mais mon père est dur, hein, ça le premier, là, pour le premier, bien spécial. Ça moule qui est dans le pays, là, bien spécial, nous a guetté. Après le premier, mais voilà. Moi, comme ça, tout est. Mais mon père est dur. L'affaire n'a pas pour grand. Et l'affaire n'a pas pour grand tant qu'il n'y a pas dissous le Parlement à l'élection. Mais le fait, est-ce qu'il est. Le meeting du 1er mai, pour live au MMTV, la plateforme Facebook, ça aussi c'est une prévue ça. Bien sûr. Live, pour le 1er mai. 13h21, c'est pas Facebook. Oui. Mais nous préférons. On a une liste officielle. Nous avons office bearers, le leader, le leader adjoint, le secrétaire général. Président, président, vice-président, trésorier, président du Policy Council, animatrice du Policy Council, président de l'aide féminine, président des jeunes. Donc, c'est une occasion solennelle le 1er mai. Certainement, c'est le dernier 1er mai avant l'élection de l'Union. L'après-1er mai pour le. Après, ça doit être l'élection générale. Il est obligé d'aller à l'élection générale. Et il n'y a pas de clé là, même si elle est MSN, pas qu'on présente sur le candidat, partiel, donc pas pour la partielle, parce qu'il est bien qu'il est présent. MSN ou bien MSN? MSN. C'est à nous là. Donc, il y a des diaphragmes, Bravin Diagne a passé à Yé. On ne connaît pas combien par mesure qu'il prend. Il y a aussi à Yé qu'on est déjà pour une élection partielle, mais certainement pas moi. À tel point que, comme on peut dire, même mignonne, mais ça pourrait venir de ne pas pour une élection partielle. Il fait semblant, un résultat d'en faire semblant. Le Smilraïd nous disparaît. Combien de temps peut-il prendre pour de Yé, déjà, de 5 ans, un mandat 5 ans additionnel pour permettre de payer? C'est davantage. Very oui. Je me demande qu'il y ait. Very bien. Qui fait la boule? Ce qu'on a. Moi, mon corps, les couillons de lui-même, mon corps, elle a eu couillons de lui, et mon corps, il vit trop, mais que tu as sur la cousine. Des hauts, il a baisé. Si un monsieur, il aurait même connu qui baisait là, des hauts. Mais il ne connaît plus divan. Parce qu'il n'y a pas qu'à cacher derrière un WC, ni des eaux, comme ça, derrière. Et voilà. Il y a mon Dieu, ça a fait un bébé là. T'as débarqué.
Puis inquiété comme il y a la police. Est-ce qu'il m'a rien dit mon nom? Mais il vous gagne ce choc. Vous voulez un message spécial là? Vous voulez un message? On est là. Le gars, il ne voulait pas bien. Ok, là, ça vaut le premier point. Magouille et trafic de drogue, c'est tout ça l'épisode de Madagascar. Hein. Et tu peux dire, faire Maurice, bien, il y a plusieurs affaires financières et l'éducation, etc. Mais à la fin, Maurice, pas bien, il y a une rêve de la drogue. Parce que maintenant, donc là, tu fous sur Maurice, ça. Pourquoi pas, sa quantité là. Sa quantité là, moi, je ne sais pas, moi, je peux empirer, hein. Peut empirer. Et voilà, franchement, t'allais là, vous pouvez courir ça. 5 milliards, tu veux dire, t'allais là. Extraordinaire, ça. Là-haut, 4 milliards. Après ça, moi, il y a tout effrayant comme calcul monie politique, ça. Quand nous prenons l'argent corruption, macouille, corruption, scandale, quand nous prenons la monnaie, la drogue, un avocat politique, pas le même. Et troisièmement, bookmaker, c'est pas tout bookmaker, ça aussi. Et money politics, bien dangereux. Au papier, même ça, il y a une question à vous contre, quand vous avez money politics, il y a une question contre vous. Faire quoi? Une question de diffamation, j'aimerais vous mettre, comme si c'était money politics, c'était les choses. Non, regardez, nous, MSM, nous ne toujours pas connaître combien d'avocats MSM, il nous a démissionné, enfin. Puis tout le monde, quand il connaît. Qui nous a, ça croit quelque chose à marre, lui. Corruption, etc. Deuxièmement, trafic de la drogue. Troisièmement, les gousses. Un jour, là, on connaît. Maman, pas qu'on a rien dans les gousses, je ne suis pas intéressé. Mais il dit, mon qui connaît, dis à moi, sa quantité de paris illégales qui est dans la Maurice. Ok, Pénam, quelle question de Madagascar? Les autres de la police, très inefficaces, Madagascar. Mais tu ne peux pas se mentir, le Madagascar, mais nous aussi, nous, avant nous taper tout le temps, nous étions. Là, je supposais qu'il y a un sabato basé à Lyon, qui tu peux aller. Et d'après ce que vous trouvez, le français, on ne peut pas dire ça, il y a des gens qui tirent au bateau là. Alors il vient, il ne fouille pas tout, non, rien. Il l'a vu. Mais le fois que tu te rappelles, il y a des mots, pas pareil. Il est tellement évident, gros, un robot super puissant, avec un paquet de tanks, l'essence qui libère le trapier rouge. Il est tellement évident. Mais qui te demande ce que les étudiants. Mais moi, on me les a dit hier. Casse les reins la drogue, n'est qu'un même qui a fait ça. Casse les reins la drogue, n'est qu'un premier ministre, un même qui a fait ça. C'est la drogue là que vous voulez lever, vous êtes dans l'océan, et après vous allez remonter après. Oui, mishandling de bonne réclamation, bonne manifestation. Quoi tu disais? Quoi tu disais? Ça de chez là, mal sinistré, et parce qu'on a fait des plots, un côté lendé à l'administratif. Non, il y a des. Ce qui vient de dépasser, c'est ça l'affaire de la police. Que la police pour capable à enquêter, en même temps faire ce travail. Ça même, le point de départ, mauvais. Et bien, revoit tout le système. Et bien, tiens, tout bien, tiens, si on attend, ou là, non, oui, dis-nous la ligne. T'as fait politiser ça, là aussi, il n'est pas le politiser la ligne. T'as fait politiser ça dans ce temps.
Ah quoi? Ça probablement un peu politisé aussi. Mais naturellement. Mais comment moi dire, toi, Jean-Marc, tout petit temps, si tu dis non, parle-moi, Marati. Quand c'est un péché là, je veux faire société, mais tu n'as pas non. Mais c'est une invitation à réclamation, à déboulement. Elle n'est même pas réalisée. Moi, je suis au pays, écoute-moi, je t'en. Et ça coûte là, c'est un. Comment moi dire, t'as là, c'est un walking catastrophe. Oui, FMI, c'est deux, vraiment, dans le ridicule. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que FMI besoin de l'autorisation Maurice avant de publier ça? Oh, bah oui. On ne pas connaître maintenant, mais normalement, je peux coordonner. On ne peut pas dire qu'il me bloque ou quoi que ce soit, moi. Ce qu'il peut dire, c'est que tous les ans, il me fait ça. L'année dernière, l'année d'avant, on me dit presque. Un press statement, un press release du staff mission, ensuite un press release du IMF executive board, et ensuite le report itself. Là, on peut rouler même le staff report itself. Je disais à un ami pour nous dire que nous, situation économique était, pas tout ça, un pays. Mais comique, quoi, voilà, faire mis sur un rapport. Là, en cause, on m'a demandé d'écrire son rapport, qui tout le temps, on va dire, un peu trop diplomatique. Il y a des IMF, l'IMF, il y a tout qui est. Je connais qu'ils sont dans une année électorale, là, malgré ça, ça m'a causé Dieu qui te mettait dans sa presse release, là. Elle est tough, hein. Ça m'a donné une langage à la FMI. Il faut un baiser gouvernement Maurice qui fait, parce qu'il nous dit qu'il est supposé baisser une dette publique au-dessus de 500 ans. Il y a des années, et c'est là. Il postpone l'année dernière, il reste postpone encore. Là, il faudrait nous lier à l'AMF pour nous le connaître. Ici, nous ne pouvons pas le connaître, il faudrait nous lier à. Sa presse communiquée là, il dit « While the authorities are considering extending the target by 2 years », encore une fois, « While the authorities are considering extending the target by 2 years », « Directors urge a gradual fiscal consolidation beginning with the next budget for financial year 2019-2020 ». Ça n'engage à rien, ça veut dire ça. Ça veut dire serré. Ça veut dire que le public debt peut aller, balance commerciale peut bien faire leur balao. Bah, c'est vrai, effrayant. Mais de toute fois, hein. Non, mais langage ambigu, FMI. C'est un langage traditionnel. Non, pas un qui permet de garder des congrès. Il n'y a pas de diagnostic, jusqu'à Moody's et qu'à ce que vous dites. Mais ça ne faudrait même pas connaître qui Moody's était, qui quantité nous apprend au CIA, qui dit Moody's, qui dit les autres agences de notation, nous visait, l'IA nous visait, mais pas comme ça. Ok, côté FMI. Il n'y a pas de problème passé. Oui, ok. Là, on peut. Peut-être. L'affaire de Ravel, je ne sais pas quoi. Il avait mis le mot là. J'entends l'appel de Tipipi. Moi, qui ai une petite question. Et finalement, Sri Lanka. On peut manger au Sri Lanka parce qu'il faudrait même il y a des leçons pour le pays, pour tout le monde, qui manière le pays capable. Et pas infini, mon Dieu. Pour prier le ciel, mon gaito, mais la guerre civile capable à nouveau éclater au Sri Lanka dans les jours à venir. C'est bien. Mais le problème, c'est son pouvoir. Son pouvoir partager un peu le ministre du pays. Non, c'est pas ça le problème. Non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est franchement, de façon qui
Surtout le président. Le premier ministre, c'est un assaut pas de responsabilité, mais surtout le président. Sa qualité nous a connu la Cour suprême là. Et enfin, merci qu'il a Cour suprême. Sri Lanka, Intini, Soli. Mais il y a une leçon à prendre. Je ne sais pas, je ne suis pas d'accord du tout avec toi. Au contraire. Au contraire. Le fait qu'il se tient à main de la Constitution il y a quelques années de cela, deux ans, trois ans, pour tirer un peu le pouvoir avec le président. Avant tout pouvoir, c'est dans la main président. Il tire un peu, il est équilibré. Mais bon, contrairement à ce qu'il te peut dire, moi, mon pensée, qu'il est juste qu'il faut bien, bien dire si le président tient à tout le pouvoir qu'il tient dans le passé, sans aucune contrebalance. Du Premier ministre ou de la Cour suprême, du judiciaire. Ça aussi, il nous a un rôle créé, ça. Ok, any other point? Non, touriste. Ouais, tu peux poser une question par rapport à... Le touriste qui était mort, on parle ici, oui, moi, il est bien inquiétant, le train. Vous d'accord, vous avez dit, voilà. Non, moi, je préfère attendre encore un peu. Avant... Il est déjà très tracassant, ce qu'il nous fait trouver. Et il y a une dose d'incompétence côté et gouvernement et à mon geste. Très inquiétant. Je n'aime pas bon du tout. En attendant encore quelques temps, là, il y a un nouveau. Et il suffit de dire qu'il y a 5 lotés avant. Vous avez dit, si il y a un lapin, il y a un loté, vous êtes connu si il y a un ou pas connaître Dival, Dival vous connaissez, si vous connaissez de la vanne, bien non. On va connaître, si vous connaissez plus l'hôtel qui normalement à vanne, parce que sa quantité d'hôtel est là, mais si vous connaissez l'hôtel à vanne, est assez. Donc ça, on va connaître. Mais ça manque à gagner de 5 milliards qui nous causaient, 3 milliards qui nous causaient d'appauvrissement. On n'a pas pris un effet de la croissance à la fin de l'année, ça? Oui, inévitablement. Inévitablement. Non, le GDP growth, oui, il va affecter, mais comment on peut dire, en attendant quoi, un mois, des mois. Il est déjà très inquiétant, mais en attendant quoi, un mois, des mois. Mais un mois. L'émission Rajdayal, ensuite, il y a une réunion avec. Mais où la Rajdayal, là, ça m'a pas mis déjà la honte et poulie de France. Honte et poulie. Acheter à la vie, il dire, et mon chagrin qui, bientôt, sera du Diogan, probablement pas en position, c'est nous aussi, malheureusement, pour corriger ça d'ailleurs là. Mais nous tous, nous pas entendre avec nos oreilles, qui fait un niveau Diogan, nous fait y aller. Parce que toutes les lieux, ils entendaient nos radios, mais c'est d'ailleurs qui nous demandait, à celle-là, il déclare innocent, il n'a là. Il n'a là, seulement un SMCFSM. Élection pour venir, mais ça s'histoire dans le cours de la compétence. Boscalis. Boscalis, pas l'aime, là. Allez. Et dans ce cas-là, il s'est mal, il peut couillonner. Nous tendons nos oreilles, nous tout qu'il a, je tout qu'il a. Cri, cri! Au contraire, vous avez demandé une radio, mais pas ça, un petit peu. Parce que Jimonin, il oubliait mon mentalité. D'abord, c'est qu'il passait nos radios, et ensuite, pour bien Q. Normalement, bien Q. À cela, il va monter. Il vient blâmer à niveau de Jagnac. Montez pour lui. J'avais dit, il y a 5 mois, 5 semaines. Allez, nous, on dit, c'est qu'il nous tendait, lui aussi, il tendait nos radios. C'est qu'il arrivait là, puis il y a une dans le Parlement. Il dit, Premier ministre, montez pour garçon en France. Montez pour. Bravo, Diagnat. C'est ce qui fait que vous pouvez négocier en bas. Vous pouvez exaucer un autre jeune homme et dire l'autre, craquer. C'est qu'il y a une comédie entre les lignes.
Donc, les autres salles, donc, je mets, ramène un général à l'autre. Non, pas contre, moi, c'est... J'ai oublié les autres, je mets des mains salles, donc, je mets, proposition, ramène un général. Non, mais je préfère les salles, vous dire, tranquille, pour le moment. Mais comment vous dire, mais pas aucun secret là-dedans. Nous tout le temps, dès qu'il arrivait, et nous tout le trouvait d'abord, donc il arrivait, ça avançait. Et moi, honte pour Pravin Diagnat, après ce qui nous tendait le radio, après ce qui nous déroulait dans le Parlement, derrière, disait que la boulot sur papa, qui devait dire, qui devait dire, qui gagne au Diagnat, pas de l'autre sur parole, ça qui devait dire. Mais Diagnat, il dit, moi, après 5 semaines, moi, je vais gagner au Diagnat. Mais il peut dire qu'il y a des gens qui ont une couillonne, il n'y a pas une autre parole. Et ça fait là, à discuter à sa bouclade. Mon honte est pour vous. Bien, allez, bon appétit.